Pour avoir une première aventure. Ah, peut-être un petit sarco aussi. Allez, endors-toi. Allez, endors-toi le sarco. C'est bon. Reste positif. Je vais faire tomber le Baroness avant qu'il tue mon sarco. Allez, allez. Allez, en tentant le Baroness. On va le tamer sur ma monture pour que ce soit plus rapide. Voilà, un petit Baroness. On va mettre tout en neutre. Allez, allez, suis-moi mon marionnette. Là, j'ai maintenant deux montures. Je vais essayer de tuer ce paracer. Je vais me donner plus 120. Allez, allez mon marionnette, tue-le. Ok, là il est endormi, d'abord je vais le tuer. Ensuite je vais pouvoir le tuer. Ok. Ok, la zone s'est arrêtée. Ok. Ok. Oh putain, un petit Terizino. Et combien il coûte le Terizino? Moins 70. 66. Ok. On va endormir le Terizino. Et un Terizino c'est très tranquille et ça fait beaucoup de dégâts. Oh non non non. Allez. Table. Ok, c'est bon. J'ai un Terizino. Ah, et un autre Terizino. Allez. On va prendre notre stamina. C'est passé, j'ai 3 dinos. Alors, un autre Terizino. Oh oh, le dragon a été tamé. Oh non. Et je vous jure, ça va faire très très mal. Un dragon, ça fait beaucoup de dégâts. Le plus, c'est le feu qui crache. Le dragon est là-bas. Il était à l'œil. Ah, je vois le truc. Oh oh, faut vite que je me dépêche. Il est où? Alors, c'est sûr que c'est le dragon. Allez, 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 allez. On va dégager, on va dégager. Vite, on dégage, on dégage. C'est passé, j'ai deux Terizino. Je vais peut-être me trouver une montée qui fait plus de dégâts. Et la zone rebouge. Est-ce que je peux le soigner? Allez, tue le titan de bois. Bon ben, pas un autre sarco. Ah ben mon sarco est tout. Est toute remontée. Ça c'est bien ça. Je vais essayer de me trouver une autre monture qui pourrait être assez intéressante pour faire beaucoup de dégâts. Là, il y a un joint qui a apprivoisé le dragon. Et ça risque de faire très très mal. Oh, il y a un Caprosuchus. Oh, 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 il y a un autre titan au bois. Je peux tamer un titan au bois. Un titan au bois, ça sert pas à grand chose. Y'a où le Caprosuchus? Ah, il est là-bas. Ah bah il est là. Je sais pas où il était. Non, non, non. Ailleurs, je veux l'apprivoiser. Moins 33. Ok. Petit Caprosuchus. Là, on a un Caprosuchus. On a deux types de crocodiles. Un Sarcosuchus et un Caprosuchus. Ah, oh, il y a un loot. Et qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, oh, j'ai des grenades que je peux faire.
Non, 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 non. Des équipes. Je veux déséquiper l'arme. Comment je fais pour déséquiper l'arme? Peut-être qu'en en descendant. Oh, ok. Ah, je suppose qu'on s'approche d'une rivière. Et peut-être qu'on aura peut-être l'occasion de boire un petit Spino. Et même un petit Rex. Est-ce qu'il y a un Spino? Peut-être que si je m'a... On va être... Attention les hauteurs! Allez, descendez! Allez, dis-moi qu'il y a un Spino. Je veux un Spino. Je veux un Spino. Là, j'ai 5 créatures. C'est le logo vert que vous devez regarder. Lorsque vous avez 5, lorsque votre logo... Ah, il y a un direct, c'est un Spino. Ok, tous passifs. Je vais aller endormir le Spino. On va s'y occuper avec une créature. Je vais en profiter pour pouvoir l'avoir. Oh non, pas de micro-raptor. Pas lui. Dégage. Allez, le T-Rex, endors-toi. C'est bon. La zone s'est arrêtée. Et là, j'ai un T-Rex. Qu'on m'écoute, le Spino. Je vois pas. On m'écoute le Spino pour l'avoir. 130 points. Ok, je vais me faire un peu plus de points de dino pour pouvoir avoir un Spino. Tous neutres. Oh ben j'en ai assez. Mais non, tous passifs. Ah ben le Texno, il est pas mort. Je vais le tuer. Et je vais chercher un Spino. Tous passifs. Et je vais me faire un peu plus de flèches. Allez. Allez le Spino, endors-toi. Allez, endors-toi. C'est bon, je l'ai eu. Je l'ai. Oh, la zone rebouche. Oh oh. Je vais prendre le Spino. Je prends le Spino. Ah, il y a un joueur. Ah, il a un Spino. Lui là-bas, il a un Spino. Et il a aussi un Terizino. Ben, il aura presque aucune chance contre moi. J'ai beaucoup de dinos. Allez. Allez. Allez, dépêchez-vous. Ok, on va sortir le clou du spectacle. Non! Ah voilà, vous voyez, je peux contrôler ma créature. Eliminated. Oh, il a un gigano. Il a un giganotosaurus. Lui, il a un gigano. Ah, mais dis donc, passe au gigano, c'est impossible de sauver. Quasiment impossible. Et bien, je crois que j'ai perdu encore. J'ai pas pu prendre ma revanche. Mais là, j'avais un peu plus de puissance. Mais peut-être un petit peu moins. Mais on est d'accord avec le dragon. J'avais plus de puissance avec le dragon. Mais les amis. On va s'éteindre là pour cette nouvelle game sur Ark de Survival Hot Vitesse. Malheureusement, j'ai pas gagné.
mais j'ai pas très bien compris ce qui vient de se passer. À cause qu'il y avait plein de lag, j'ai plus compris ce qui s'est passé. En tout cas, je me suis fait one shot. Mais vous avez vu avec la roquette, je me suis fait exploser avec la roquette. Et là, vous me croyez maintenant que maintenant, quand j'avais encore mon Caprocéjus, je pouvais le contrôler. Donc c'était vrai. Quand votre joueur est mort, eh bien vous pouvez contrôler une de vos créatures jusqu'à ce que votre tribu soit éliminée. Donc là, ma tribu est éliminée, donc du coup je n'ai plus rien à faire. Je peux juste observer jusqu'à ce que la game soit finie. Donc les amis, on va s'arrêter là pour cette nouvelle game sur Ark de Survival Undefeated. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo et vous abonner à ma chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut!